Le président élu Michel Martelly a annoncé que le président de la République dominicaine, Leonel Fernandez, participera à son investiture le 14 mai prochain. Il a fait ses déclarations lors de sa visite en République dominicaine, où il a rencontré le chef de l'État. Non seulement un homme intelligent et dévoué, un homme muy inteligente et dévoué, mais quelqu'un aussi qui tient à ce que les relations entre les deux pays soient les meilleures. Et qui est que les relations entre les deux pays soient les meilleures. Et aujourd'hui encore, il l'a prouvé. Et autre messe, nous allons montrer. Donc j'ai commencé par inviter M. Fernandez à la cérémonie d'investiture. J'ai invité de forme officielle Vicente Fernandez à la cérémonie d'inauguration. Et il a accepté. Et il a accepté. Notons que c'est la troisième visite de M. Martelly en République voisine. Les Nations Unies ont rendu publiques mercredi les conclusions du groupe d'experts indépendants chargé d'enquêter sur l'origine de l'épidémie de choléra en Haïti. Selon ce rapport, l'épidémie a été causée par la confluence de plusieurs circonstances et n'était pas due à l'action délibérée d'un groupe ou d'un individu. Interrogée sur le rapport, la porte-parole de la MINUSTAH, Sylvie Van Den Wildenberg, a fait remarquer que le contingent népalais, basé à Mirbalais, n'est pas totalement innocent dans la propagation de l'épidémie dans le pays. Je ne pense pas que je pourrais jamais convaincre tous les Haïtiens qu'il ne convient pas d'imputer la responsabilité de cette épidémie au casque bleu. Je ne pense pas qu'on y arrivera jamais. Simplement, ce que je voudrais, moi, dire, c'est que la preuve, selon ces experts, irréfutable, que les casques bleus ont amené le choléra en Haïti ne peut pas être établie, et que si la possibilité existe, même si la possibilité existe, c'est le cas de c'est l'histoire du monde et des épidémies. Les porteurs de bactéries sont des victimes comme les malades. Ce n'est pas de la faute de la personne qui a amené la bactérie du choléra ici, qui que ce soit, ça n'était pas intentionnel. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait condamner quelqu'un qui n'est pas responsable d'avoir transporté une bactérie qui ne se serait pas transformé en choléra s'il n'y avait pas eu tout un ensemble d'éléments qui étaient rassemblés. Vous comprenez, c'est ça le problème. La commission bicamérale de réforme constitutionnelle espère présenter son rapport aux législateurs le vendredi 6 mai. C'est ce qu'a annoncé le président de la Chambre basse, Sorel Hyacinthe. Il a fait également remarquer que cette commission bicamérale multiplie les séances de travail dans le but de présenter un rapport très équilibré. Suivant la procédure, on devait d'abord ouvrir la séance en Assemblée nationale avec les deux tiers de la Chambre des députés, les deux tiers de la Chambre du Sénat. Cependant, si on le fait de cette façon, après former les commissions, donc ça va prendre du temps pour la discussion et la formation des commissions. Pour un petit peu court-circuiter tout ça, on a formé les commissions et après les commissions, les deux commissions vont travailler ensemble et présenter un rapport. Après ce rapport, quand le rapport sera prêt, donc on va travailler en Assemblée nationale et avec la discussion, on procédera normalement à l'amendement de la Constitution. C'est juste pour aller un petit peu plus vite. La citoyenne Chantal Volsy-Séan estime que la déclaration d'amendement de la Constitution, telle que proposée par la 48e législature et qui va être ratifiée par la 49e, n'est autre qu'un projet de société ou encore une nouvelle Constitution.
Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, Mme Séant souligne qu'un certain nombre de failles sont enregistrées dans le document soumis par le pouvoir exécutif qui est actuellement examiné au Parlement. Nous sortons de ce qui était clair, nous sortons d'une démarche claire pour entrer dans ce qui est flou sans trop comprendre pourquoi. Ah non, mais pourquoi ? On n'a pas expliqué. Je ne pense pas. On parle tellement de la double nationalité, par exemple, que par ce nouvel aménagement des rapports politiques, on ne s'en rend pas compte. On ne sait pas. La population, la nation haïtienne n'est pas au courant, ne comprend pas. On n'a pas expliqué ce nouveau rapport des choses qu'on lui propose au niveau politique. On fait campagne pour dire à la nation, pour dire aux communautés haïtiennes vivant à l'étranger, qu'elles obtiennent la double nationalité. Je dis que c'est un mensonge. Ici, il n'y a pas de double nationalité. Au contraire, il y a un trompe-l'œil. On enferme l'haïtien dans son carcan de nationalité haïtienne. Ok. Pour être plus clair, vous allez passer de un moment. Pour être plus clair, ça veut dire quoi, madame ? Cela veut dire... Même si la personne a obtenu une nationalité étrangère, une fois qu'elle arrive en Haïti, l'État haïtien oublie qu'elle avait obtenu une autre nationalité. Exactement. Et je me demande, est-ce que c'est bien ce que demande la communauté d'Haïtiens vivant à l'étranger quand elle demande la double nationalité ? D'ailleurs, elle ne demande pas qu'elle soit réduite à une nationalité. Ce que faisait donc, déjà la Constitution de 1947. Donc c'est la double nationalité proposée, réduite. Exactement. On a reformulé afin de lui dire, une fois que vous êtes ici, vous ne pouvez être et vous n'êtes que seulement haïtien. Intervenant à ce même espace, le sénateur de la République, Yuri Latortue, membre de la commission chargée de travailler sur l'amendement de la Constitution, a fait remarquer qu'il va tenir compte des recommandations formulées par Mme Séant. Donc je crois qu'on va regarder, et si Mme Séant apporte quelque chose qui peut contribuer à l'œuvre pour éclaircir, écoutez, nous, on ne va pas refuser. Oui, non, et je comprends la démarche. Mais ce qui est dit, que nous admettons ce principe et que maintenant, nous allons prendre le temps de faire les lois. S'il faut être plus clair, nous allons le faire. Mais je dois vous dire que nous-mêmes, il faut mettre des balises. Des balises dans le sens où on n'aura pas à utiliser des lois contre l'État. Parce qu'avant tout, il faut protéger cet État. Cet État très faible. Cet État qui fait ses premiers pas en démocratie. On va donner clairement cette double nationalité. Alors moi, je suis pour, dans la commission que j'appartiens, il y a des discussions. Et moi, je veux étendre cette question même aux choses politiques, quelquefois aux postes électifs. De toute façon, la discussion continue au sein de la commission. Et j'espère qu'en fin de journée, on aura une conclusion. Et ma théorie pourra justement évoluer donc positivement. Il y aura de la place pour des ajouts, Oui, il y a des places pour des ajouts. Par exemple, la constitution dit... L'amendement proposé dit, écoutez, cet amendement sera en vigueur le 7 février 2011. Parce qu'on avait pensé qu'on aurait les élections à temps. Mais normalement, au 7 février 2011, il faut changer. Puisque de toute façon, on n'a pas encore ce nouveau président. Puisque l'amendement doit être signé par un président et être en vigueur avec l'autre président. Les avis des résidents de la capitale sont partagés en ce qui a trait à l'amendement de la Constitution. Si certains se montrent favorables à la révision de la loi mère, en revanche, d'autres déplorent l'absence d'un débat national sur le dossier. Le projet d'amender la Constitution de 1987 sur lequel s'est penchée la commission bicamérale du Parlement n'est pas trop bien vu par des étudiants de l'Université d'État. Selon ces étudiants, le moment n'est pas propice. Est-ce que le peuple haïtien donc est bien imbu de la teneur de l'amendement? Donc ce n'est pas amender pour amender. La Constitution, c'est la loi mère, la loi fondamentale. Donc si au petit matin, un groupe de politiciens décide d'amender cette œuvre, combien fondamentale, faut-il bien qu'il y ait un débat qui soit animé autour de la question? Les parlementaires, ils viennent d'origine de régions où même le français, ils ne savent pas parler, ou ils ne comprennent pas le français. Alors nous nous demandons comment se fait-il que cette proposition a été votée sans qu'ils en aient pensé à amender la version créole. Donc nous demandons à ce que stop cette processus-là et qu'ils reprennent lors de la prochaine législature. Pour ce professeur d'université, un tel projet ne doit pas être pris à la légère. Moi, je suis foncièrement contre. Je n'aime pas cet empressement à amender la Constitution.
Je pense qu'il faudrait reporter cet amendement à la prochaine législature pour qu'on ait le temps de se pencher sur tous les problèmes que pose cette constitution. Un point de vue qui est aussi partagé par des hommes de la rue. Il y a un bagage qui est tellement complexe comme ça. Il faut que le travail ait un temps pour que toute couche dans la société soit capable, en quelque sorte, d'intégrer. On comprend? Donc, lorsque, par exemple, c'est une couche, deux couches, trois couches comme ça, donc nous ignorer, on sait des autres monde qui sont très concernés dans l'activité pays. Hein. Donc, nous venons censés que nous sommes capables de tomber dans une décision qui, demain, qui va porter une tête cassée. Par contre, d'autres pauvres anciens n'ont aucune objection à cette révision constitutionnelle, mais exigent certains critères. Je n'ai aucune objection à ce qui a trait à l'amendement de la Constitution. Cependant, il faudrait qu'il y ait en fait des balises en ce qui a trait à certaines fonctions que ils sont capables d'attribuer à monde qui a une double nationalité. Je crois que amender la Constitution, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a ceux qui sont à l'étranger, ils ont besoin de participer aux affaires du pays. Je crois que c'est une bonne chose. Soulignons que l'idée d'amender la Constitution a été suggérée par le président René Préval et maintenant fait l'objet du premier débat de la 49e législature. Les employés grévistes de l'ANATCOM n'entendent pas lâcher prise. Ils exigent des responsables de la compagnie 36 mois de salaire de dédommagement pour leur licenciement annoncé. Interrogé sur l'ultimatum lancé par les responsables de NATCOM qui menacent de les révoquer, les grévistes ne semblent pas être inquiétés par cette annonce. C'est un ultimatum qui est illégal. C'est vous-même qui faites comme ça. Nous ne connaissons pas nous-mêmes. Nous ne connaissons pas. C'est Bastien. Bon, attendez, Yves Bastien, il a dit c'était président. C'est même comme c'est même là. Je ne sais pas qui s'allie. C'est une association malfaite ou bien qui ça. Ou bien yon. Je ne sais pas qui s'allie. Comme monsieur Yves Bastien qui dit employé ou fait casse. Au contraire, c'est parce que nous sommes encore malheureux. Mais nous avons pour nous poursuivre la justice pour prouver côté qui casse qui fait. Au contraire, c'est eux-mêmes qui font violence sur nous. Chaque fois, ils font violence sur nous. Mais nous-mêmes, merci mon Dieu, nous avons un tempérament nous calme. Nous-mêmes, nous ne pouvons jamais vivre dans la lutte, la position côté pour nous faire violence nous-mêmes. Nous ne pouvons vivre dans la position ça. Et non, parce que ça n'a pas réclamé à l'injuste et équitable. L'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne a procédé le mercredi 20 avril dernier à l'installation d'un nouvel agent spécialisé à Jérémy dans le département de la Grand'Anse. Il s'agit de Ketli André, qui promet de travailler durement pour faire respecter les droits des citoyens dans ce département. Cet office va apporter du nouveau, de la joie, du bonheur, à côté de toutes sortes de violations des droits humains que nous enregistrons. Je vais en quelque sorte faire tout ce que me demande l'office, et mieux, pour ne pas dire davantage, avec l'élan, le zèle que je vais m'y mettre pour répondre aux vœux de la population et la satisfaction que je vais donner à mon chef hiérarchique.